Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un bracelet Kumihimo plat avec un motif chevron. Vous allez voir, c'est super simple et je trouve que c'est même plus rapide que les bracelets brésiliens. Vous allez avoir besoin d'un disque Kumihimo. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le créer vous-même avec du carton. Je vous renvoie à ma vidéo précédente pour vous montrer comment on fait. Pour cette technique, vous pouvez utiliser n'importe quel type de fil. Moi, j'utilisais du fil de broderie, qu'on appelle aussi fil de coton. Donc à vous de voir. J'ai pris deux couleurs différentes. Vous allez devoir couper 4 fils pour chaque couleur, entre 40 et 60 cm, tout dépend de la taille de votre poignet. Regroupez ensemble tous les fils et faites un nœud sur une des extrémités. Passez les fils au centre du disque de Kumihimo et on va commencer à tresser. Pour le tressage, positionnez les fils comme indiqué, je vous laisse regarder tout ça en image. Une fois toutes les étapes finies, vous allez remarquer que les fils roses sont maintenant en haut et les fils dorés en bas. Continuez exactement de la même manière en répétant toutes les étapes que je vous ai présentées précédemment. Arrêtez le tressage une fois qu'il fait le tour de votre poignet et vous allez voir que d'un côté vous avez un effet chevron et de l'autre un tout autre motif, donc cela vous donne un bracelet réversible. Pour insérer facilement une perle, mettez du scotch autour d'une extrémité. Coupez le surplus de fil et insérez la perle. Pour continuer, vous allez mettre de la colle sur chaque extrémité. Vous attendez que cela sèche et cela permet de couper sans que le tressage ne se défasse. Maintenant, mettez la colle dans le fermoir, donc j'ai pris un fermoir aimanté, et vous allez insérer votre extrémité. Faites la même chose de l'autre côté, et voici le résultat. Cette technique est géniale puisque vous pouvez faire des bracelets plats avec n'importe quel type de fil, donc ici j'ai utilisé du fil queue de rat. Comme vous voyez, c'est impossible de faire un bracelet brésilien avec ce style de fil. Donc avec cette technique là, ça rend super bien. Voici le résultat de la première version portée. Et voici le résultat porté avec les fils queue de rat. Donc d'un côté vous avez le motif chevron et je vais vous montrer l'effet que ça donne de l'autre côté. Donc le voici. Comme vous le voyez, au milieu j'ai ajouté un petit cylindre pour rendre le bracelet un peu plus sympa. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter, Facebook, Instagram, comme à votre habitude, et me poser toutes les questions que vous désirez, et aussi rejoindre la communauté sur Facebook pour nous faire partager vos créations, vos inspirations, etc. Et maintenant, place au concours Facebook, donc likez ma page Facebook, puis commentez sous l'image que j'ai mis en lien sous cette vidéo pour emporter 3 petits bracelets avec la tête de mort de la couleur de votre choix, donc il y aura bien sûr 3 gagnantes. Donc pour cela, regardez tout, il y a toutes les informations en barre d'infos. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao !